C'est petit, hein. Et si je continue mais avec ça. C'est peut-être un peu. Ouais. Vous allez voir. Oui, je pense mal avancé ici à peu près. Avec les petits rochers. On fait pas trop, hein. Je ferais bien dessiner en foncé, mais c'est dans. Et là, on va le travailler. Voilà. Tout doux sur les jaunes et les oranges. Moi, je les adoucis avec du rose pour enlever l'acidité. Tu vois, il ne faut pas avoir peur. Hein. Pas avoir peur. Tu as ça. Ça va nous faire du mal. Bah c'est surtout quand on tombe. Ouais, ça. C'est bien d'avoir un petit peu de contraste. Tu vois, je t'ai fait avoir, c'est pas du blanc. On dirait du blanc. Ça va donner une lumière bien plus intense. Et dès que tu peux, tu commences tes arbres. Donc là, un gris ou un violet ou un bleu pâle. Mais il faudra les traits là. Voilà. Il faut prendre la craie comme une seule bête et puis qu'elle soit suffisamment effacée comme si on maquillait les cheveux. Et après, avec les doigts, tu peux la travailler en arrondi. Parce que oui, bon, ça c'est bon. Et on fait comment là, après pour faire l'ordre? Attends. Travailler plus au doigt. Avec ça, il n'est pas pur de faire des traits. On les travaillera après, comme là, on part ici, bon, on peut la mettre là, là-bas, on s'en fiche, on n'est pas le trait. Parce que là, c'est le premier plan. Oui, oui. Ça, c'est le premier plan. La tête. Ah, ma tête, je ne sais pas la faire. Ah, ma tête, elle est même trop courte. Alors, juste un petit chose sur la tête ou la porte pour faire un arbre saucisse, un arbre naturel quoi. Même encore plus haut parce que là on est l'arbre, et là comme le bord est plus grand que l'autre. Alors on en est là. Si ce sera faire la forme de la pastèque. Là, pour mettre du blanc. Parce que les arbres, les grands arbres seront piqués ici, les petits seront là. Une fois qu'on a fait le fond, on ne revient pas dessus, hein, c'est fini. Donc là, on a besoin d'avoir de la lumière, parce qu'elle va se refléter dessus. Personne qui marche, c'est imaginaire, c'est pas détaillé. Et puis ici, on a... C'est mettre les éléments comme ça, tout ça. Voilà. Pour pignoler, mais au démarrage, c'est implanter sa pomme. On l'imagine, là. Elle n'existe pas, on imagine une toile. Okay. Chaque là, chose, essayez de mettre là, une ou deux couleurs. Alors, là, on a les... Qu'il n'y ait pas de zone unie. Là, on va être obligé, puisque l'ombre va arriver alors, là, il on va être obligé d'être là, un petit peu plus foncé ben, ça nous sur le bas. Une profondeur, ici. Il y a deux arbres près un et deux arbres peu plus loin. Foncé. Mais par, le, par à droite, il y en a un près et un loin. Là, il vient là, et ça, c'est à l'ombre. Et au milieu, il y en a un. Et ça, ça va être à l'ombre. Toute cette partie qui est à l'ombre, on est là. Là aussi. Là, c'est éclairé. Là, c'est à l'ombre. Ces pointes, on les fera après. Parce que si on les pique tous peut-être devant, un sapin, oui. Ou quelque chose comme ça. On... Donc ça, il faudra le virer avec, avec des couleurs. Hein. Oui, les ombres sont... Bah, on ne peut pas. Au contre-sens du ciel. Mm-hmm. On va descendre un peu celui-là. Tricher. Après, on va mettre un petit peu de lumière. Et puis pour faire des feuilles, oui. Bah,